शिक्षा का होना अनिवार्य बहुत अनिवार्य है जीवन में, वो देश का अच्छा नागरिक बन सकता है उसने शिक्षा अगर हो। Je pense que ce qui fait que certains enfants aiment à l'école, c'est parce que l'école c'est une aventure et qu'on y vit des choses. Ah, au fait, l'éducation c'est quoi? C'est quelque chose qui amène l'enfant à grandir socialement. Un enfant qui n'est pas éduqué ne peut pas être heureux dans la société. De façon générale, on tend à vouloir de plus en plus former des travailleurs et on cherche un peu à laisser de côté le développement de la citoyenneté puis de la culture. Si yo sigo pensando que la escuela es el edificio, tengo un problema. La escuela tiene que generar territorio más allá del edificio. Every day, around the world, millions of teachers start their day with the same passion for their job. They have the firm belief that with dedication, they can improve the society they live in, one student at a time. We have asked them to share with us their in-depth experience and their vision of quality education. Je suis Madame Kwasagu Pulchéri, j'enseigne le français. J'enseigne depuis 8 ans. Je suis enseignante au lycée Ejranawe. Mes élèves ont l'âge de 10 à 16 ans. J'interviens dans une école officielle, école publique. Donc dans cette école, la majorité des enfants viennent des familles très pauvres. C'est des enfants, quelquefois, qui n'arrivent même pas à payer le collège. L'école n'est pas gratuite à ce niveau. C'est au primaire que l'école est gratuite. Mais au collège, les filles payent 10 000 francs et les garçons, je crois, au-delà. Nous allons commencer par le contrôle de présence. Qui est absent ici? En récréation, chaque enfant doit venir avec 50 francs ou 100 francs pour pouvoir s'acheter du gâteau, ou bien de la bouillie, ou bien du pain. Donc cet argent, c'est le parent qui doit procurer cet argent à son enfant. Si les parents n'ont rien pour leur enfant, donc toute la matinée, l'enfant reste sans rien manger. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc vous avez fait circuler le message? Oui. Ok, c'est bien. Je m'appelle David de Coster, j'ai 41 ans. J'enseigne depuis 17 ans à l'école Claire Vivre des Verts à Bruxelles. C'est une école communale Freinet. Et j'ai une classe de 22 élèves qui ont tous entre 9 et 10 ans. Est-ce qu'il y a des enfants qui voulaient prendre la parole au Quad 9 ce matin? Et moi, je peux faire une poésie, David. Va, ouais. Il y a d'autres poésies aujourd'hui? Emma, Christian. Ok. En quelques mots, la pédagogie Freinet est une pédagogie qui décide de rompre avec la scolastique. C'est une pédagogie qui essaye de faire tendre les enfants vers toujours plus d'autonomie. Nous avons mangé des gâteaux aux carottes et aux citrons. Aux citrouilles. C'est un modèle où on respecte les différences de rythme. C'est un modèle où personne ne va être stigmatisé parce qu'il est le plus mauvais, où personne ne va être mis sur un piédestal parce qu'il est le meilleur. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de premier de classe, il n'y a pas de dernier de classe, il n'y a pas de cancre. Il y a une multitude d'enfants avec une multitude de facettes, avec une multitude d'origines, de savoir-faire, etc.
me, Sharmishta Sharma, और मैं इस स्कूल में करीब 7 साल से पढ़ा रही हूँ. इस मेरी क्लास में 23 बच्चे हैं. मैं फर्स्ट क्लास को पढ़ाती हूँ और उसमें 23 बच्चे हैं और उसमें सभी ऐसे मतलब थोड़े गरीब परिवार के बच्चे आते हैं. सभी आते हैं. 15 लड़कियाँ हैं और बाकी के लड़के हैं. 8 लड़के हैं और 15 लड़कियाँ हैं क्लास में. स्कूल में आके वह बच्चों की अटेंड पहले वो होती है, प्रेयर होती है, उसके बाद अटेंडेंस होती है, उसके बाद हम लोग अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं. ये शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क है यहाँ पर. और यहाँ पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है, किताबें बच्चों को दी जाती हैं, भोजन भी दिया जाता है, दोपहर का भोजन दिया जाता है और यूनिफॉर्म भी दी जाती है बच्चों को. Mon nom est Julie Martineau. J'enseigne le français en 5e secondaire à l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay, au Québec. J'enseigne donc à 3 classes de 5e secondaire, des classes d'environ une trentaine d'élèves. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Comment je vais? Moi, j'essaie beaucoup de travailler l'ouverture culturelle, mais pas juste nécessairement à autrui, mais la curiosité culturelle à travers la littérature, à travers des questionnements moraux aussi. Là. Qu'est-ce qui est intéressant des personnages? Est-ce que c'est leur description physique? Non, mentale. Oui, c'est l'intériorité qui est intéressante. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie des élèves dans leur enseignement. Je ne suis pas une personne, par exemple, qui va donner beaucoup de cours magistraux, mais je leur donne des pistes et je les fais chercher. Et je trouve que lorsqu'on est actif dans notre apprentissage, ça nous reste d'une façon plus approfondie. Mi nombre es Javier Iriarte, actualmente soy profesor de formación ética y ciudadana y a la tarde me desempeño como vicedirector de la escuela. Buen día. Esta escuela, la escuela 2 del distrito 4, que se llama Trabajadores Gráficos, y está en Barracas, en Buenos Aires, es una de las 8 escuelas de reingreso y que tiene como mandato fundacional recuperar a esos pibes dentro del sistema educativo, una educación de inclusión y de calidad. De grupos tienen el texto, acá hay un texto más una guía, ¿sí? Una guía de trabajo. Es una escuela de pequeña escala donde conocemos a los pibes, no tenemos 5.000 alumnos, ¿no? Tenemos 300 y los miramos y sabemos quiénes son. Son pibes que vienen de zonas muy vulneradas en sus derechos, que viven en barrios periféricos, villas miserias. Cuando el director los recibe el primer día de clase, les dice que la única obligación que tienen es inventarse un proyecto de vida. There is something universal in the experience of teaching, independent of the different contexts and realities that each educator is facing. Taking into account the amount of resources available, one thing is for sure, teachers will always do their best to provide the best education to the children entrusted to them. Connaître en réalité les noms de tous les élèves, c'est difficile parce que dans une salle de classe, nous avons plus de 103 élèves, 105 élèves. Donc, vous dire que je maîtrise tous ces noms, c'est un mensonge. Les enfants sont assis à 3 par banc. Ça c'est stressant. Ils ne sont pas à l'aise. La position du cahier, comment il va poser son cahier, écrit tout ça là, c'est difficile. Regarde comment il a fait. Tu vois son cahier? Tu as vu? Au moins, elle a mis vocabulaire. Elle a mis la date. Elle teste la part du lion. Ces effectifs de masse là, en réalité, ça affecte tous les élèves. Bon, les meilleurs s'en sortent. Mais les moyens et les plus faibles
n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que d'abord, quand on fait le cours, on ne donne pas la chance à tous les enfants d'y participer, puisqu'ils sont nombreux. Ça n'arrange ni l'enseignant, ni l'élève lui-même. Mais qu'on ait un bon conseil de classe. D'accord, ça va. Donc veillez à ce qu'il y ait des sujets dans la boîte. À 8h30, quand la cloche sonne, je retrouve mes élèves près du saule pleureur qui est devant mon bâtiment. Alors on se dit bonjour, ils sont déjà tous pleins de questions. On va chercher, c'est peut-être dans une pile, ça arrive. Dans notre école, comme dans beaucoup d'écoles Fresnel, la participation des parents est vraiment un enjeu assez fondamental. Il faut vraiment les faire participer. On a besoin, vraiment un vrai besoin d'eux, notamment pour l'acquisition de la lecture, où les enfants sont amenés à lire leurs textes tous les jours. नहीं मेरा शुरू से ही ये था कि मैं टीचर बनूं मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं टीचर बनूं और मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी तो इसलिए मैं इस लाइन में आई हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था उस पे हमारी मतलब वन मंथ की ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद हमें बीच बीच में ट्रेनिंग दी जा रही थी और अब जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है तो हमारा अब सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है मतलब दूसरा सेमेस्टर चल रहा है हमें 6 माह हो चुके हैं और अभी दूसरा सेमेस्टर हमें चल रहा है तो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रेन करने के लिए और इससे हमें ये होगा कि मतलब हम जो जैसे आप शिक्षा मित्र जब हम लगे थे तो फर्स्ट और सेकंड को हम लोग फर्स्ट और सेकंड के लिए ही लगे थे फिर हम लोग पूरी उसको पढ़ा सकते हैं पूरी उसको क्लास को देख सकते हैं और इसमें फिर परमानेंट एक सहायक टीचर के तौर पर हम लोग यहाँ आ सकते हैं हाँ जी 1 महीने में एक बार और 1 महीने में 6 दिन की हमारी कार्यशाला होती है वहाँ पर ट्रेनिंग में हम लोग आके फिर शाम को अपना घर का वर्क करते हैं रात में आके अपनी पढ़ाई करते हैं जो वहाँ से हमें वर्क मिलता है वो वर्क कंप्लीट करते हैं तो हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो इसमें हमें भी बच्चों को भी फायदा है उससे हम लोग उससे बच्चों को बता पाएंगे सही ढंग से Présentation orale, vous avez à trouver des extraits dans votre roman en fonction de certains critères. Quels sont ces critères-là? Et au Québec, on a une grande proportion d'écoles internationales. Chez nous, ça a servi à concurrencer l'école privée. C'est un programme où on cherche à développer des citoyens ouverts sur les enjeux internationaux, donc sensibles aussi à la réalité interculturelle. Ils vont vivre de l'enrichissement, entre autres en littérature, langue maternelle, enrichissement littéraire et enrichissement aussi linguistique, parce qu'ils vont apprendre une troisième langue. Généralement, au Québec, c'est l'espagnol, mais ça pourrait être une autre langue. Pourquoi c'est intéressant, l'intériorité des personnages? Parce que le pays va avoir des teintes, la culture du pays va avoir donc, des teintes. La culture, les événements politiques, l'époque va avoir un impact sur l'intériorité du personnage et c'est pour ça que c'est intéressant. La vie étudiante est très importante. Il y a des activités culturelles, des ateliers, des équipes sportives. Donc, ça a un impact assez important aussi dans la vie de l'école. L'élève qui est dans une équipe sportive ou qui est dans un comité culturel, ça le motive à venir à l'école puis à faire sa journée de classe pour ensuite pouvoir participer à son activité. Entonces, un prejuicio. Es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada. Y son pibes que cargan el estigma del fracaso escolar. El fracaso escolar es el fracaso de un sistema educativo, pero el envase de ese fracaso es ese pibe. Y la imagen que se empieza a armar sobre sí mismo en términos de fracaso. Esto acá se destierra. No aparece esa figura. Se trabaja muchísimo en la autoestima y desaparece la figura del repetidor porque los alumnos promocionan y asisten por materia, como en la universidad, con lo cual el alumno siempre está avanzando. Recursa una materia, pero sigue avanzando en otra y esto impacta fuertemente en la autoestima de los pibes, que vienen de escuelas donde por 3 materias mal repitieron y tienen que volver a hacer 11 materias. ¿Con qué tiene que ver?
es una opinión, es una cuestión... Es una realidad. Es una realidad, ¿no? Perfecto. Most of us would agree that access to quality public education is essential for developing our communities. Schools contribute to train future workers, but more important, to cultivate more complete human beings. But what do we mean by quality education? Pour moi, je considère que l'éducation c'est un droit humain, c'est un droit social, et qu'il faut que l'État fasse tout pour pouvoir éduquer tout le monde. Parce que tous les enfants ont droit à l'éducation. L'école doit transcender la société. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses études qui ont prouvé que l'école, en général, depuis certainement 30-40 ans, n'est plus un ascenseur social. L'école maintient les gens dans leurs conditions, dans leur milieu de départ. शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे जो है मतलब वो देश का अच्छा नागरिक बन सकता है वो कमाने जो होगा तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगा और मतलब अच्छे अच्छे काम करके अपने बच्चों को भी प्रशिक्षित कर पाएगा अपने बच्चों को पढ़ाएगा उसे अच्छा उसे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और जैसे पढ़ा हुआ जो इंसान है वो मतलब इस तरह से बात करेगा कि दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा Teachers obviously play a key role in achieving quality education. They invest a lot of energy helping the children to be prepared for adulthood. Yet, they feel their work is not always recognized to the fullest extent. Un enseignant de qualité pour moi, c'est un enseignant d'abord qui doit avoir un bagage intellectuel suffisant, qui doit avoir une conscience professionnelle. Qui va essayer de nous expliquer le mot équitable? Équitable, ça veut dire quoi? Je veux dire juste. Très bien, ce matin-là, elle va encore. Une éducation de qualité pour moi, c'est une éducation où l'enseignant lui-même se sent à l'aise. L'enseignant lui-même doit être bien motivé. C'est l'enseignant lui-même doit être considéré par son employeur. Il doit être satisfait de ce que son employeur lui fait. Et partant de là, il va donner le meilleur de lui-même. Ben, en Belgique, il y a un vrai problème de valorisation de la profession. Donc, il y a des problèmes multiples qui sont sans doute pas les seuls problèmes de la Belgique. Mais c'est une profession qui n'est pas très valorisée parce que le salaire n'est pas forcément très élevé. Les conditions de travail ne sont pas optimales. On est de plus en plus dans une société de la consommation et il y a une certaine catégorie de parents qui nous considèrent comme un bien de consommation. Si vous avez fait un peu de recherche sur le contexte de création, est-ce qu'il y en a qui ont fait quelques recherches? C'est un peu étrange l'image qu'on a parce que moi j'entends souvent dire « Oh, moi je le ferai pas ton travail », mais en même temps c'est donc facile de critiquer parce que les gens sont tous passés par l'école, ils ont tous une idée de ce qu'il faudrait que ça soit un prof. Le métier d'enseignant mériterait d'être mieux valorisé parce que ce n'est pas un métier nécessairement facile, c'est un métier important socialement d'après moi. Ça, c'est des types de tons, ironiques, dramatiques, oui. La clave de la pedagogía es que no sea una ciencia cerrada, como un conjunto de prescripciones instaladas en lo que debe ser. No, la pedagogía, como la filosofía, es un volver a pensar, a revisitar lo que hacemos. Si pensamos que lo pedagógico es de manual, estamos condenados a repetir. Por eso no puede haber un rol docente en todo el mundo. El docente tiene que armar su escenario de trabajo mirando a su comunidad. Un docente que resigna eso, acepta repetir sin pensar. Si la pedagogía renuncia a ser un conjunto de dogmas, vamos bien, porque nos permite volver a pensar todas las tensiones que aparecen en el campo educativo. Schools often reflect the community around them. For this reason, they should be diverse and inclusive. Teachers understand that they can take the lead in transforming their environment positively in collaboration with the people concerned. Je pense que c'est une erreur de considérer que parce que la société est pétrie de compétition,
il faut déjà développer cette compétition chez les enfants. Je pense que la compétition et le développement de la compétitivité à outrance, c'est un symptôme d'une maladie sociétale. Oh, j'ai étudié pour rien. Non, tu n'as pas étudié pour rien parce qu'il y aura la dictée que tu as étudiée, on l'aura vendredi prochain. Ouais. L'organisation de la société, c'est quand même une organisation qui ressemble plus à une fourmilière qu'à une colonie d'abeilles qui seraient solitaires et qui logeraient chacune dans leur petit trou isolées les unes des autres. Pourquoi l'école ne partirait pas de ce constat-là ? Dans un système coopératif où on échange, où on brasse, où on mélange, il y a forcément de l'amélioration à la clé pour tous, les plus faibles comme les plus forts. En ese punto hemos empezado a laburar el tema del racionamiento. Para que la educación sea de calidad, entendemos que es una educación donde todos los que participamos, incluyendo a los pibes y a la familia de los pibes, tengamos posibilidad de decir cosas al respecto, de qué es significativo que transite en la escuela, que se pueda decir en la escuela, desde las disciplinas que propone la escuela en cada una de sus materias hasta el acompañamiento del mundo de los adultos. There are plenty of obstacles on the road to quality education for all. The lack of resources might be the most decisive one in most parts of the world, but also the lack of political will to put in place policies that guarantee this right. Nevertheless, on a daily basis, teachers try as much as they can to overcome these difficulties, keeping in mind that the students are the ones who suffer the most from these problems. Ce ne sont pas des salles de classe, quand vous les voyez, c'est comme c'est fait pour élever des animaux, mais c'est là que nous faisons le cours. Et quand il pleut, on ne s'y tient pas. Les tôles sont trouées, donc quand la pluie tombe, vous recevez l'eau à l'intérieur, mais vous êtes dans une salle de classe. Et vraiment, il fait chaud dedans, ce n'est pas aéré. Sur 80 élèves en troisième, à peine 4 ou 5 ont le livre qu'il faut pour la lecture. Donc nous, en tant qu'enseignants, sommes obligés de tirer certaines pages du livre, de photocopier et de faire des fascicules pour les enfants. Il n'y a pas de matériel. लेकिन उन्हें जो है उनके अकॉर्डिंग उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं हम ये सोचेंगे अगर देखो बच्चों जो मैं लिख रही हूं ना उसे मेरे साथ-साथ बोलोगे ठीक है yes. कुछ बच्चे इनमें बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छे निकल सकते हैं लेकिन कुछ सुविधाओं का अभाव होते हुए जैसे यहां पे 6 से 14 वर्ष को निशुल्क शिक्षा है बच्चों को निशुल्क शिक्षा जो खाना दिया जा रहा है बुकें दी जा रही हैं लेकिन आगे चलकर जो है बच्चा खुद ही मेंटेन करते हैं सब पेरेंट्स खुद मेंटेन करते हैं लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं अवेलेबल कर पाते बच्चे को हर चीज नहीं on dit ça coûte cher l'éducation ça coûte cher la santé donc mais c'est quand même des services essentiels à une population pour dynamiser une société pour rendre une société viable quand le lion va prendre le lièvre la gazelle tout là pour lui est-ce que c'est juste? Non! Je pense qu'il y a des défis à relever pour avoir une école de qualité. Au niveau de l'infrastructure, il faudrait qu'on essaye de voir les établissements, construire de nouvelles écoles pour désengorger le trop-plein. Du côté structurel, il faut des réformes. Les programmes sont les mêmes. C'est vétuste, on ne change rien, c'est le même programme. Si on pouvait aussi changer les programmes un peu, adapter les programmes à la réalité actuelle, ça nous aiderait, ça aiderait aussi nos enfants. Bon, au niveau personnel, il y a toujours manque de personnel. Les enseignants sont en nombre insuffisant. Donc il faudrait qu'on recrute des enseignants et qu'on leur donne réellement une formation. Parce que ce qu'on nous donne comme séminaire en deux jours, je pense que c'est une formation bâclée. En réalité, ce n'est pas une formation pour qu'un enseignant puisse donner un cours à ses enfants. In the last decades, some people have thought that education could and should be organized according to the logic of the market, like other consumer goods and services. It was believed that the learning process could be regulated by the invisible hand of the market, and that it would result in a cost-effective product that meets the same quality standards.
Teachers are well placed to testify on the disappointing consequences of the policies implemented with this logic. C'est une manifestation qui se passe le 17 octobre 1905. Depuis quelques années, on a vu apparaître les conventions de gestion, ce qui fait que les écoles doivent rendre des comptes par rapport à la réussite des élèves, comme si c'était un peu des chaînes de production qu'on pouvait évaluer de façon objective, alors que ça n'est pas la réalité. C'est pas ça que j'évalue, là. Moi, j'évalue votre réponse à la tâche. Et si vous faites un bon réseau de concepts, moi, c'est un bonus. Moi, je pense que c'est une erreur de calculer, d'évaluer la réussite du système d'éducation par rapport au taux de réussite, parce que c'est une fausse donnée. On essaie de donner une donnée objective à quelque chose qui est subjectif. Ça peut pas fonctionner, ça. Hemos heredado el corrimiento del Estado en la década de los 90. En un modelo neoliberal donde la escuela era un servicio, no era un derecho. Un servicio que se paga o no, que puede ser de mayor o menor calidad. Estamos pensando ahora que la escuela lo que hace es acompañar y garantizar el derecho de los pibes y las pibas. On avait dit à un autre conseil de classe qu'on allait le faire, mais depuis là, on ne le fait plus. Une éducation publique de qualité, c'est une éducation qui n'entre dans aucune logique de marchandisation ou de marketing. Pourquoi je crois que ça arrive? Pour moi, c'est une dérive sociétale qui a remplacé le statut de citoyen par celui de consommateur. Et donc, autant le statut de citoyen fait appel à l'éthique et à des choses, à la ferveur politique, aux convictions, aux idéaux, la condition de consommateur ne fait appel qu'au portefeuille et au pouvoir d'achat. Pourquoi c'est les animaux, oui? Un grand. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit que l'auteur fait parler les animaux. En réalité, ce ne sont pas les animaux. Ces animaux-là représentent les êtres humains que nous sommes, vous et moi. Si l'État cautionne et supporte, améliore l'éducation, c'est des vies aussi qui sont améliorées. C'est la société aussi qui est protégée. Donc l'État doit garantir quelque chose au niveau de l'éducation, doit mettre un peu plus de sien pour que l'éducation soit encore meilleure, pour mieux élever et éduquer nos enfants pour demain, pour la société. Le roi là, roi de la forêt lion là, c'est les dirigeants. Nos dirigeants là, c'est eux. Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui. Donc ça là, nous appelons ça des figures de style, c'est des tournures stylistiques. Parce que le rôle de l'auteur, c'est de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. In spite of the immensity of the challenge they face, the teachers do not always receive the support they deserve for the demanding job they do. Low wages, poor working conditions, or inadequate training are too often the norm. For instance, in India, thousands of contract teachers are hired to perform the same tasks that regular teachers usually do, except they are relegated to inferior status and treatment. हम लोगों की जो मांगे थी हम लोगों की तो यही थी एक तो हमें रेगुलर बनाया जाए रेगुलर टीचर्स होंगे तो हमें 12 माह का वेतन दिया जाएगा और इसमें जो है हम लोगों को छुट्टियां दी जाए जो हम लोगों की छुट्टियां मिलती हैं वो छुट्टियां हों और हमारा वेतन भी बढ़ाया जाए हम लोगों को 11 माह की सैलरी दी जाती है और 3,500 रुपये दी जाती हैं और जो मतलब रेगुलर टीचर हैं उनको जो है 25-30 के करीब जो सैलरी दी जाती है 25-30,000 के करीब सैलरी जाती है हमें भी लगता है हम इतना मतलब वर्क तो थोड़ा बराबर हम लोगों का बराबर ही होता है कि हमारे लिए भी कुछ हो हमें भी लगता है कि हाँ हमारे लिए भी कुछ हो थोड़ा बस ये है मैटरनिटी लीव भी हमारे लिए नहीं है ऐसा नहीं है अगर हमारी मैटरनिटी लीव हम लोगों को कभी अगर पड़ जाती है तो उसमें हम लोगों को निकाल दिया जाता है और उसमें हमें सैलरी भी नहीं दी जाती है हमारी जगह दूसरे टीचर्स नियुक्त हो जाते हैं avec le salaire que nous avons ici au Togo on c'est difficile c'est minime depuis 1968 l'indice salarial c'est resté le même
on n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Alors que les le niveau de vie, les choses sont plus chères sur le marché. Significant improvements can be and have been achieved. But it is a permanent struggle to keep the gains won in the past. Consciousness and determination are necessary to transform the working conditions of teachers and make sure the students share the benefits of having a good educational system. Ma mère est enseignante et quand elle a commencé, à la fin des années 60, là, une femme qui était enceinte, elle perdait son travail. Et ensuite de ça, les femmes gagnaient moins cher que les hommes pour le même travail. Donc, toutes ces luttes-là se sont faites avant. Aujourd'hui, quand on est enseignant au Québec, on soit un homme ou une femme, on a le même salaire pour la même ancienneté. Les femmes enceintes, leurs droits sont protégés. Donc, il y a beaucoup de luttes qui ont déjà été faites. Ceci dit, mais on est dans une période où on doit protéger des acquis. C'est malheureux, il y a des gens qui ne sont pas au fait de ce qu'historiquement les syndicats ont gagné comme bataille et de ce en quoi ça a résulté. Et donc il y a des gens qui croient que ce qu'on a acquis, c'est venu tout seul et que c'est permanent et que ce ne sera jamais attaqué. On sait très bien pourtant que les acquis sociaux ne portent le nom d'acquis, mais ne sont jamais acquis, et qu'il faut continuer à les défendre pour qu'ils restent acquis. Sócrates dice la segunda premisa, es hombre, pertenece al conjunto de los hombres. ¿Sí? Porque también los docentes luchamos por el derecho a una beca para todos los alumnos, por el derecho a una escuela que tenga más o menos lo mínimo que se necesita, que tenga iluminación, que sea confortable para los pibes, digo, en eso el sindicato es fundamental. Para que ese debate que puede iniciarse adentro de una escuela mirando a su comunidad, para que esas nuevas experiencias, esas nuevas necesidades que a veces se traducen en condiciones materiales de trabajo de la comunidad docente, se instalen en la agenda política. They experience different realities, and yet there is something universal about being a teacher. It creates a strong sense of solidarity among them, mainly because they share the same objective of making a positive impact on children's lives. Moi, je trouve très dommage quand je vois un peu la réalité de mes collègues ailleurs dans le monde. Il y a des gens qui travaillent dans des situations particulièrement difficiles et j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui font ce métier-là dans des conditions beaucoup plus difficiles que les miennes. Et je leur souhaite vraiment que ça puisse s'améliorer parce que je crois que tout le monde est gagnant. Peu importe d'où on est, là, si la majorité des personnes à travers le monde ont une culture et une éducation valable. Mañana va a ser el taller de alumnas madres. Es el primero, sí, que vamos a hacer. Lo que vincula universalmente a los docentes, me parece que es esta cuestión, esta voluntad de hacer por el otro, de correrse de lo que uno tiene de las propias representaciones para generar un cambio en las condiciones de vida materiales o simbólicas del otro. Con más o menos recursos, con más o menos presupuesto, con más o menos conciencia, a veces uno lo hace intuitivamente cuando arranca en la carrera. J'ai du mal quand on compare des écoles dites bonnes à des écoles où la réalité de terrain est radicalement différente et où le métier d'enseignant prend tout son sens et où on doit vraiment élever des enfants qui n'ont aucun stimuli. Alors que j'ai vraiment l'impression que les vrais enseignants et ceux qui doivent faire leur métier avec le plus de maestria sont ceux qu'on associe en général aux écoles dites mauvaises. Teachers face numerous difficulties, it is true, but there are also many rewards. One is found in the eyes of the grateful students. Nous devons essayer de connaître le plus de cultures possibles. Ça me plaît parce que quand je sors dans la ville, je vois mes élèves, ils viennent vers moi. Madame, vous m'avez eu en troisième, madame, vous m'avez eu à tel niveau. Qu'est-ce que tu es devenu? Il dit, je suis tel. Certains sont devenus de grands messieurs, de grands fonctionnaires. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je réalise que j'ai contribué à quelque chose. J'ai apporté aussi ma pierre. Selon moi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Donc, c'est très important et je m'enorgueillis. Ça me fait plaisir.
जब हमें बहुत खुशी होती है जब हमारा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा मतलब जैसे कोई बाहर से आते हैं उनको क्वेश्चन का आंसर देता है या उन्हें कोई मतलब बाहर से आते हैं उनके प्रश्न का उत्तर देता है और वो उससे मतलब उसे जो इनाम वगैरह मिलता है तो हमें ऊपर बहुत हमें अपने ऊपर गर्व होता है कि हाँ इस बच्चे को हमने पढ़ाया और जो हमने पढ़ाया इसने ग्रहण किया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने ऊपर गर्व होता है इस चीज़ का. Plus le corps puis le style, moi j'irai pas dans la révolution, fait que je fais juste parler de... Tu vas toujours nous revenir à l'idée que c'est une description de la noblesse à l'époque. Quand je vois que mes élèves ont compris que oui, c'était peut-être difficile ce qu'on a fait, peut-être qu'ils ont traversé des moments où ils ont pensé qu'ils n'y arriveraient pas, mais que finalement, en bout de ligne, ils constatent que ce qu'on a fait, ça leur a servi et ça va leur servir encore plus tard. Nos vemos el jueves. ¿Vas a venir? Sí. Nos vemos el jueves, chicos. En esto de la tarea docente, lo que genera mucha satisfacción es observar en la vida cotidiana de la comunidad para la que trabajamos cambios que tienen que ver con lo que se transmite en la escuela. Cambios en escenas muy pequeñas a veces, pero que dan cuenta de que el pibe está reconfigurando su territorio. Eso a uno le genera satisfacción y hace que uno vaya por más. Tracez un peu trop vite. Restez, je vais remettre le son, essayez d'être en rythme. Ça va? Le moment où je suis le plus fier et le plus content d'être enseignant, c'est quand à la veille d'un congé, les enfants râlent parce qu'il n'y a pas école le lendemain. Donc c'est déjà arrivé quelques fois, et ça c'est vraiment le moment où on se dit bah, si on est même mieux que les congés, c'est carrément bien. Voilà. Nous, on aime bien la cantine. Tous les jours on dit, sauf le vendredi. Le vendredi, c'est le jour de sa vie. Bon, on n'est pas obligé de sauter. Day after day, teachers continue to do their work with passion because this is more than a job, it is a mission. That is why they remain committed to advocate for universal quality education in all countries. Au revoir les enfants, on se revoit vendredi. Oui, il y a de l'espoir, pourquoi pas? Il y a de l'espoir. L'école que moi j'ai fréquentée n'est pas la même aujourd'hui. Il y a une petite amélioration. Donc on a de l'espoir qu'avec le temps, les choses vont aller au mieux. Il n'y a pas de dictée demain. Hein? Je pense qu'on doit toujours, en tant qu'enseignant, promettre quelque chose de plus valable que ce que la société propose. Es en la escuela donde vos tenés la posibilidad de mirar cara a cara al destinatario de esa tarea que se te encomienda desde el Estado. Entonces, la cara y la historia del otro no son datos estadísticos, son una realidad súper palpable. Je suis en train de perdre ma voix, mais c'est comme ça qu'on les vit, nos journées. Ça ressemble vraiment à une journée typique, là, dans mon esprit. Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde, tu sais. Puis je me suis rendu compte qu'on ne change pas le monde tout seul, mais quand on est enseignant, là, on peut influencer un peu certaines personnes, donc on contribue. Day after day, teachers put their heart and soul into their job to give a better future to the students. And with our support, they will continue to do so, being firmly convinced that together we can shape a better world.